Bonjour et bienvenue à ce 15e chapitre de Lightroom avec du Photoshop. On va travailler sur cette image. L'idée, c'est d'en faire un noir et blanc assez punchy, d'utiliser ici ce bord noir comme bord de la photo. On ira retirer deux ou trois petites choses sur le visage et on ira s'occuper ici de... J'ose pas appeler ça un bourrelet parce que quand je vois mes bourrelets à moi, ça c'est insignifiant. Mais on ira quand même le retirer avec Photoshop. Donc on va commencer d'abord par ici redresser l'image. On va utiliser la nouvelle fonction Upright de Lightroom. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet. Et je vais dire que je veux que ici le bord ça soit droit. Voilà, et ensuite je veux dire que je veux que le centre ici soit droit. Voilà, donc là il m'a corrigé tout ça, éventuellement avec l'échelle, comme ça un peu allongé, pas avec l'échelle, pardon, avec l'aspect, ça a un peu allongé la tête, donc je vais juste revenir un peu, voilà, pour revenir à une tête moins allongée. Ensuite je vais recadrer ça, donc on va voir bah, que là c'est bien droit, hein, c'était l'objectif, voilà, je suis en effet bien droit. On va ici s'arrêter là et on va retirer également le bas là qui est plus clair que je ne veux pas, quelque chose comme ça, et on va peut-être venir un peu comme ça. Voilà, donc ça c'est le cadrage sur lequel je vais travailler. On va d'abord s'occuper du visage, retirer. Alors là vous allez aussi loin que vous voulez, ça chacun son truc. Je vous rappelle, on prend l'outil de correction des défauts et on prend quelque chose qui est proche, hein, en termes de structure, parce que si vous prenez une structure différente, ça va se voir. Donc il faut prendre des choses qui sont assez proches en termes de structure. Et ensuite, alors tout dépend le temps que vous voulez y passer. Ensuite, on peut passer des heures à retirer toutes ces petites imperfections du visage. Ça, c'est à vous de voir le temps que vous voulez y passer. Je vais en retirer quelques-uns, mais pas forcément tout. Surtout qu'en plus, sur YouTube, je ne suis pas sûr que vous voyez tout ce que je suis en train de faire. J'en ai encore là, ici, un petit. Et j'avais également là-haut une petite rougeur par là. Je vais prendre une structure de front qui est par ici. Ici, une petite imperfection là. Ok, ici également une petite rougeur, et là encore une petite imperfection ici, et je vais encore un petit ici. J'ai vu quelque chose sur le nez aussi, donc je vais m'en occuper. Sur le nez ici, j'ai, je pense, un bout de mouchoir, quelque chose comme ça. On va prendre ça, ouais, on va prendre ça ici, c'est bien. Voilà, terminé. Voilà, allez, ça c'est terminé de ce côté-là. Si j'avais encore une petite cicatrice ici. Petite cicatrice que je vais retirer en prenant un bout qui se trouve ici. Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin, dans les différentes retouches du visage. Moi, ça me suffit largement pour vous montrer ce que je veux faire. Alors ensuite, on va passer en noir et blanc, d'accord? Donc noir et blanc ici. Je vous rappelle que sur le noir et blanc, je vous l'ai montré, sur les portraits en noir et blanc, il faut faire attention, j'irai au curseur, hein, parce que très rapidement, ça fait des choses qui sont trop visibles. Donc là, je veux un blouson plutôt clair, hein, donc là, ça me va pas mal. L'orange, vous voyez, la peau devient très rapidement soit trop sombre, soit elle devient vraiment trop rapidement trop claire, style vampire. Donc on va le laisser standard. Le jaune, ici, on en a un peu... Au niveau des cheveux, alors on peut le pousser un peu, lui, parce que je vais mettre un fond plus sombre. Le vert, je crois qu'on en a un peu au niveau des cheveux aussi derrière, là, puisque c'était du vert derrière qui se reflétait. Le bleu vert, ici, ça va plutôt agir sur le fond, d'accord? Donc c'est bien. Le bleu, lui, il agit également sur le fond. Donc je veux un fond plutôt foncé pour que les petits trucs de cheveux là ressortent. Et ensuite, je crois que sur le pourpre, vous voyez, on a ici, sur le pourpre, on a ici quelque chose. Donc là, je vais le mettre plutôt clair. Ça sera bien qu'on rattrapera ici, de ce côté-là, le fait qu'il n'y ait pas d'ombre. Et ici, vous voyez, le blouson magenta. On va laisser le blouson ici avec une partie assez lumineuse. D'accord?
Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je me dis que la clarté ça pourrait être sympa sur tout ce qui est blouson mais pas sur tout ce qui est visage. Donc on va monter la clarté, d'accord, de l'image ici comme ça. On va également monter le contraste, d'accord. Donc on va faire quelque chose d'assez punchy, mais on voit que sur le visage c'est un peu violent. Donc à ce moment-là on va prendre simplement un filtre radial là, d'accord. Mettre un peu de contour progressif et on va annuler les effets, c'est-à-dire qu'on va simplement baisser la clarté pour revenir à plus de douceur au niveau du visage ici. Voilà. Donc il faut pas trop diminuer parce que là ça fait y a plus assez de structure ensuite dans la peau, mais diminuer un peu. Le contraste, peut-être pas. Le contraste, je vais le laisser comme il est et ensuite je vais aller travailler un peu sur le visage. Ici pour atténuer les cernes qui sont là, donc ça je vais prendre un pinceau, simplement je vais passer ici au niveau du pinceau et là on va par exemple baisser un peu le contraste et on va augmenter les ombres. Donc, vous voyez, là c'est plus foncé, là c'est plus clair, donc en faisant comme ça j'arrive à atténuer un peu ce qu'il y a au niveau des ombres. J'aimerais faire ressortir un peu plus la lèvre là, donc là je vais faire nouveau et là par contre je vais mettre de la clarté sur la lèvre parce que là sur la lèvre, ça la fera bien ressortir, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc là, j'en mets ici, comme ça, pour bien faire ressortir le gloss. Très bien. Et ensuite, au niveau des yeux, je vais prendre un petit filtre radial ici, pour mettre juste un peu plus de lumière dans l'œil. Donc là, on va juste mettre un peu d'exposition, quelque chose comme ça. Et on va prendre un peu de contour progressif. Voilà. Pour que ça soit juste l'œil qui soit impacté. Là, je vais faire dupliquer. Et je vais simplement aller le mettre ici. Voilà. Donc comme ça, j'ai mis un petit éclat ici au niveau de l'œil. OK. Terminé. Et là maintenant, au niveau des. Alors, au niveau du blouson, on pourrait rajouter encore un peu de clarté, mais là, il est déjà pas mal. Au niveau du visage, il est un peu trop mou, moi, le visage, donc je pense que j'ai trop baissé la clarté. Donc, je vais en mettre un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Terminé. Et ensuite, au niveau des cheveux, on a des belles matières, mais on peut peut-être imaginer avec un petit pinceau et un peu de clarté faire des espèces de mèches. Qui soit un peu plus clair, donc on va peut-être mettre un peu d'exposition comme ça, un peu de clarté, et on va passer comme ça en faisant des espèces de mèches. Ici aussi, ça peut être intéressant, comme ça. Alors, l'exposition est trop forte, très clairement, donc il faut la baisser, voilà. Non, là, je l'ai. Alors, attendez, que je m'y retrouve, j'ai mis de la clarté, donc je vais virer l'exposition, ouais, voilà. Donc la clarté suffira. Ici, en mettant un peu de clarté comme ça dans certaines zones pour faire ressortir un peu des mèches qui sont plus claires. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, là-haut. Là, ça me va pas mal. Au niveau du visage, revenons au niveau du visage parce qu'il est peut-être quand même un peu clair. Donc, je vais baisser un peu les hautes lumières là, juste un peu. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Allez, je dis que j'ai fini mon noir et blanc. On a quand même une zone ici, vous voyez, ça fait comme une espèce de marque là. Donc ça, je vais prendre un pinceau et je vais, je pense, juste sur cette zone-là, je vais baisser justement la clarté pour l'atténuer. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai atténué juste, il y avait une espèce de un petit truc là qui était visible. Et là maintenant, il l'est beaucoup moins. Maintenant, je vais aller dans Photoshop. Donc, modifier dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, on ne va pas faire grand-chose en fait. Hein, on va simplement ici se concentrer sur cette zone-là. Et on va aller dans Filtre. Et on a Fluidité, autrement appelé Liquify. Et on va simplement ici, donc vous choisissez une taille de brosse. Hein, plus ou moins grande. Vous voyez, ça peut être grand ou. Ça peut être petit, là j'étais dans les 500, c'était bien. Là vous avez plusieurs modes de déformation, là c'est le mode standard, c'est-à-dire que je vais appuyer et je vais déformer. Donc j'appuie et je bouge et ça déforme la zone. Vous voyez? Donc je fais simplement comme ça, ici, et comme ça. Voilà. Et j'ai atténué ici.
La forme, donc vous voyez, ça c'était avant, avant, après. Alors si je fais CTRL Z, ça marche, hein? Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Pas énorme, hein, mais comme ça c'est fait. Et ensuite, je sauve, je me retrouve dans Lightroom. Et j'ai fini ma photo. Éventuellement, est-ce qu'on met un peu de vignettage, juste pour voir? Allez, juste un peu. Comme ça. Et j'ai terminé. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Là, vous avez appris le filtre fluidité de Photoshop. Merci, au revoir.